Bien-aimés, vous tous, les uns envers les autres, prenez l'humilité comme tenue de service. En effet, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles. Il accorde sa grâce. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Puisqu'il prend soin de vous, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion, rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères de par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui dans le Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Par Sylvain, que je considère comme un frère digne de confiance, je vous écris ces quelques mots pour vous exhorter et pour attester que c'est vraiment dans la grâce de Dieu que vous tenez ferme. La communauté qui est à Babylone, choisie comme vous par Dieu, vous salue ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes dans le Christ. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre, 5:5-14. Cette première lettre de Pierre invitant à prendre l'humilité comme tenue de service nous apprend que l'humilité, dont les pères du désert nous disent qu'elle est la seule vertu que le diable ne peut imiter, l'humilité est consentement à notre réalité de créature. Et elle suppose de vivre à plein notre humanité dans la solidarité avec nos semblables, à puiser en Dieu nos forces, à recevoir de lui la parole à transmettre. Pour cela, il faut que notre cœur soit disponible, notre esprit vidé de tout ce qui n'est pas de Dieu, chasser l'orgueil, remplir notre bouche de ta louange. Méditer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. La lire et la relire jusqu'à qu'elle puisse prendre racine en nos vies.